Bonjour la communauté, bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous continuons avec notre site internet. J'espère que vous aussi vous avancez bien de votre côté. Donc la dernière fois, on a créé le pied de page ici. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on l'a enregistré. Donc si on a le temps aujourd'hui, on va aller le mettre de manière générale. Et aussi, ce qu'on va faire, on va travailler sur l'entête, hein. On va travailler un peu plus, on va travailler, hein, sur l'entête et sur cette bannière. Donc pour cette bannière, voilà ce que on est censé faire, c'est de mettre un test comme ça, de mettre cette écriture et de mettre un bouton. Le bouton, on l'avait déjà configuré quelque part, donc on l'avait configuré ici. Je ne sais même pas si on l'avait si on l'avait enregistré. Je vais voir si on avait enregistré un bouton qui s'appelle Sport 2. Étant donné que c'est le nom que je me suis. C'est le nom que je donne à tout maintenant. Alors, bouton Sport 2. Est-ce qu'il y a un bouton Sport 2? Non, il n'y a pas de bouton Sport 2. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de l'appeler. C'est d'aller enregistrer un bouton qui s'appelle Sport 2. Donc, bouton Sport 2. Enregistrer. Et c'est super. Bouton Sport 2, on va l'utiliser. Le test qu'on a besoin, il est comment? Il est blanc. Ok, donc s'il est blanc, on va juste prendre ce test-là. Bon, on n'a même pas besoin de prendre ce test-là. On a juste besoin de prendre un test quelconque et de lui changer la couleur parce que vous allez vous occuper de votre copywriting. Le seul souci ici, c'est que notre photo n'est pas en noir et blanc. Donc, il se peut que ça ne sorte pas convenablement. On va faire le test. Ouais, c'est pas moche, mais peut mieux faire. D'accord, est-ce que j'ai enregistré une boîte qui s'appelle boîte sport 2? On va aller regarder. Il me semble que j'ai enregistré une boîte qui s'appelle boîte Sport 2, donc on va aller regarder si ça existe. Si ça existe, bingo. Donc ça existe, c'est bingo. En plus de ça, c'est dans la couleur que je recherche. Donc ça, je vais le supprimer. Supprimons ça. Je vais virer le test là. Bon, le test là, je vais le copier plutôt, comme ça. Copier. Je vais virer celui-ci. D'accord. Et je vais remplacer celui-ci par celui-là. Le test, celui-là, je vais le supprimer. Supprimer. Et celui-ci, je l'élargis un peu plus. Celui-ci, je l'élargis un peu plus. Alors, je remonte. J'ai mon test qui est comme ça. J'ai besoin d'un bouton et d'un titre comme ça. Ce que je peux faire, c'est tout mettre sur. C'est tout mettre sur la même boîte si je veux. Ouais, je pense que ça va être un peu plus, ça sera un peu, ce sera un peu mieux comme ça. Donc mon titre, il faut que ça soit en paragraphe en H1 et on va l'appeler votre espace sportif.
Oh, avec l'autre chose, commencez votre coaching. Votre coaching sportif. Votre coaching sportif. Sportif. Bon, c'est pas très. Comme titre, c'est pas terrible. Je veux mettre un truc. Coaching sportif. Non, c'est pas ça. Retrouver. Coaching sportif. Alors, on va virer ça. Retrouver votre forme. Retrouver votre forme idéale. Idéale. On descend comme ça. Non, je vais pas me fouler. Je vais dire ça. D'accord? Je cherche au fait. Je cherche au fait. Je suis pas là pour faire du copywriting, mais je vais marquer quelque chose qui va me permettre de pouvoir finir ce que j'ai à finir. Donc du coup, ce qu'on veut faire, c'est de regarder. On doit avoir un truc de ce genre. Mais ça, on pourra pas le créer. On pourra pas l'écrire. Comme ça, ce qu'ils ont fait là, au fait, c'est faut le faire avec Gimp, au fait, faut le faire avec Gimp ou avoir une écriture spécifique pour ça. Je ne sais pas si j'en ai. Attendez, je vais regarder. Je sais pas s'il y en a. Je sais pas celui qui en a. Il y a des trucs comme ça sur. Mais vous pouvez chercher des. Si vous connaissez des écritures comme ça, vous pouvez les importer, en fait. Mais on va pas s'amuser à ça. J'ai pas envie de le faire comme ça. J'ai pas envie d'aller chercher ça. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez aller chercher des polices, hein, sur Internet et l'importer. En revanche, je vais juste vérifier si j'ai d'autres options. En thème d'écriture, s'il y a des choses que je peux oser ou pas. Bon, je peux faire ça. Je peux faire ça. Oh, mettre de l'ombre. Plutôt blanc. Parce que c'est pas possible de sélectionner. Alors, peut prendre un truc de ce genre. Ça ne rend pas bien. C'est pas terrible. Mais j'essaie de voir si je peux faire un truc. Pas terrible là. On va juste mettre un test avec du relief, d'accord? Parce que l'écriture. Ah tiens, ça me donne une idée. Je peux rendre ça du coup un peu plus foncé. Ouais, je peux faire ça. Et du coup, je peux faire ça aussi. Je peux faire ça aussi. Je peux mettre du. C'est du 00, c'est FFF. Voilà, comme ça. Ok, je peux faire ça aussi. Et importer le bouton. Importer le bouton. Sport 2, hein, qu'on a créé, bouton
qui s'appelle Sport 2. Bam. On peut élargir un peu plus si on veut. Hop. Bon, je pense que c'était mieux avant. On le centre. On centre tout. On centre tout. Ok. Du coup, ça, c'est notre bannière. Une bannière principale. On enregistre ça. Si je regarde, pour rendre ça, vous savez ce qu'il y a à faire. Il faut que vous travaillez la photo, qu'il soit en noir et blanc, que vous trouvez la police pour écrire ça. Faut pas le faire sous forme de photo. Ça va pas être terrible pour le référencement, hein, parce qu'il faut du tag H1 sur votre site, c'est mieux pour vous. Et puis le reste, vous savez ce qu'il faut faire. Donc trouvez cette police, travaillez la photo pour que ce soit en noir et blanc. C'est ce qu'il faut faire. Ceci dit, là, je pense qu'on a plutôt bien bossé. On va aller du coup. Je laisse ça comme ça. Hein. Je laisse ça comme ceci. On va aller regarder la version mobile quand même. On va regarder la version mobile avant de passer à l'en-tête. Go, 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 go. Pour le moment, il répond pas. Quand tu veux, tu me donnes la main pour travailler. Il prend son temps. Plutôt bien. Ok. Ouais, ça, en version mobile, c'est pas terrible. En version mobile, c'est pas terrible du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en version mobile, si on veut avoir quelque chose de correct, si on veut avoir un menu correct, il faudra virer ce qui est en haut là. Ok. Donc, remarque en passant, il faudra qu'on tienne compte de ça. Ok. Je retourne sur la version PC. Version PC. Il enregistre ça. Ok. Et là, on va le regarder au niveau de l'en-tête. D'accord? De l'en-tête. On va faire un en-tête site. En-tête. Bon. Tête site, c'est pas comme ça, purée. En tête site enregistré, hop. Donc vous vous rappelez, on avait enregistré des panneaux auxquels on avait donné le nom de sport 2, je sais pas, sport 1, 2, 3. Donc on va aller regarder ça. Et un je vais fermer ça parce que c'est bizarre, c'est pas dans le bon nombre. On les a pas enregistrés dans le bon nombre ou quoi? Ben non, on est retourne sport de bande, sport de, ah c'est ça. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. C'est ce qu'on avait fait. D'accord? Nous maintenant, la suite, on va rajouter une photo. On rajoute une photo.
On rajoute une photo et on va en faire le logo. Alors, on va changer l'image. Le logo, il est où? Il est là, on l'importe, on réduit tout ça, on le met là. D'accord. Ok, peut l'agir un peu plus si on veut. Si on regarde, bon, il n'y a pas grand chose. On va pas se fouler non plus, hein. On va mettre accueil à propos. Shop, ça ne veut rien dire. Accueil à propos. Donc, coaching, contact, d'accord. Ils vendent pas des produits sur le site, quoi. Donc, du coup, pour créer notre menu, on va aller ajouter un menu. Je sais pas si j'ai pas déjà des menus transparents, des menus toutes faites là qui sont transparents. Je vais vérifier juste. Ça m'évitera de tout refaire. Menu. Menu. Alors, est-ce que. Non, ça c'est pas terrible. C'est pas ce que je veux. Je ferme ça. Supprimer. Allez, supprime là. Je vais aller chercher autre chose. Personnel. Sinon, menu, descend, celui-là, on l'a fait, c'est pas terrible, ça aussi c'est pas terrible, je pense. Rando, peut-être. Ouais, c'est pas mal ça. On va la travailler un peu. À propos, blanc plan, blablabla. Bon, on va la travailler un peu. On va retravailler un peu ce menu. On va dessus les champs, on va réduire les espaces, la couleur c'est du 00 CFFF, d'accord, et quoi d'autre? On veut que quand il Quand... Alors, quand on va passer dessus, ça fasse plutôt gris comme ça. Bon, allez, on prend quelque chose de ce genre. C'est que ce soit sympa. Si on le met dessus, ça donne quoi? Ouais, bon, écoute, ça va. Quoi d'autre? Couleur active, on va mettre la même chose. On va pas s'en mettre. Copier. C'est là. Contrôle V dans les sous sous menu suivant fait la même chose. Bon, là on n'a pas de sous menu, on peut même pas vérifier suivant contrôle V couleur du fond active, c'est celui-là, contrôle V. Celui-ci, c'est la couleur du texte. Non, la couleur du texte, c'est celle-ci. Couleur du texte, c'est celle-ci. On a dit c'est du 00 CFFF. D'accord. Bon, on peut modifier ça par exemple. Hop. On va aller modifier ça. Accueil à propos, on va dire nos coutines.
nos coutumes coutumes nos coutumes extrait quoi encore s'inscrire non on s'en fout s'inscrire on peut inscrire on peut avoir un blog dessus s'il y a du blog nous contacter on va virer nous contacter on va laisser le numéro de téléphone on va extrait hop par exemple d'accord et là est-ce qu'on peut l'aligner dessus on va voir si les deux non ça peut pas s'aligner ça ne peut pas s'aligner ça n'a pas de c'est pas la même chose bon maintenant il veut plus se désélectionner super tout va bien on va enregistrer tout ça. Ok, donc ça, c'est notre pied, c'est notre en-tête. On va regarder la version. Donc celui-ci, on le réduit. Le logo, c'est pas terrible, mais vous savez comment créer vos logos vous-même. On va prendre ça comme ça. On va décaler un peu du haut, on ferme ça et comme je vous ai dit, celui-ci on va le cacher, on n'a pas besoin et celui du bas on va le supprimer parce que on n'en a pas besoin. D'accord, c'était juste pour s'assurer que ça rendra bien. On enregistre tout ça. Du coup, ça c'est notre en tête. On part de là en tête, on ira regarder sur la version tac quand tu veux on publie tout ça on va associer bon avant d'associer on va aller regarder le pied de page. La même chose qu'on a fait pour le l'en-tête, on va le faire pour le pied de page. Tac. Pied de page, site. De page, site. D'accord. On enregistre. Et comme on l'avait déjà créé, celui-ci va être normalement un peu plus facile. Seulement, je ne sais pas si on avait fait la version mobile. Bon, ça on verra. Et vous savez le faire au cas où. Ceci dit, enregistrer. Élément, pardon. Va aller dans le panneau. C'est ce qui nous intéresse. Notre pied de page sport 2. Il est là. D'accord. On va aller regarder la version mobile. À quoi il ressemble, s'il veut bien. Celui-ci, on va travailler un peu dessus. On décale un peu du haut. On le minimise un peu. Adresse, horaire, on le remonte. Si tu veux, tu montes. Hein. Si tu veux pas, tu restes là. Bon, allez, laisse tomber. À propos, tuteur. Est-ce que je peux le réduire au minimum? Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Celui-ci, je le descends. S'il ne veut pas descendre, ça vaut pas la peine. On va pas s'embêter. Réduire. Réduire. Fermez-moi ça. Et réduire. Donc, il veut pas, il veut rien comprendre. On retourne sur notre version PC.
On enregistre tout ça. Ok, on revient. Est-ce qu'il a compris que maintenant il doit bouger? Alors, mouline, mouline, mouline. Là, horaire. D'accord, maintenant il a compris. Twitter. Celui-ci. On le descend. Twitter. On le descend. Twitter. On le descend encore. Et Facebook. On le monte. Celui-ci. On le descend. Twitter. On le monte. Twitter. On le monte encore. Instagram, on n'en a pas, je pense pas. Hein. YouTube, Insta, on monte. YouTube, tu descends. Et on a un truc de ce genre. Donc après, mettre les bonnes icônes à leur place. Donc on a ça et je trouve que c'est pas mal. La seule chose qui manque ici, au fait, c'est un truc de copywriting 2020, hein, tout ce genre. Regardez, je vais enregistrer ça d'abord. Pour que je me fous pas mon travail en l'air au cas où il y a un bug. Si on regarde là, par exemple, là, ce qu'on a fait déjà sur d'autres. Sur d'autres créations de sites, bas de page, bas de page. Je veux en supprimer quoi. Bon, c'est ce que je recherche, il est là, mais c'est trop grand. Alors, je veux un truc petit que je peux récupérer, mais non, il faut prendre toute la bannière. Ah, c'est celle-là. Ok. Là-dessus. Ah tiens, ça tombe bien ça, cette couleur. Ça peut être, on va virer ça. On va virer le menu là. Bam. Oui, virer. Cette couleur par exemple, on va aller voir ce que c'est exactement. Parce que ça ressemble un peu aux couleurs qu'on utilise déjà. Donc, si c'est pas le cas, on va changer un peu, hein, mais on est dans le ton. Tac. Donc, c'est nous, c'est 0. 00 c'est FFF. Voilà. Tac. Et on monte. On peut écrire du noir avec du noir dessus. D'accord, on change la couleur. On est en 21. On va l'appeler AWDE, agence web, AWDE. D'accord, tout droit réservé. Voilà. Et on réduit cela. Et je trouve que c'est pas mal. D'accord, je remonte celui-là. Et je centre ça. C'est bon, ok, et c'est fini. On enregistre, on vient là, et maintenant on va associer le pied de page et l'en-tête, d'accord, au site. Quand tu veux, tu me donnes la main. On associe le pied de page et l'en-tête qui sont là, paramètres. On descend, pied de page, pardon, en tête. C'est nouveau ça? Ouais, laisse tomber. Des fois, hein, quand ça décide de te. Ok, donc on associe le. Enregistrer ça d'ailleurs,
On va associer le pied de page et l'entête aussi, toi. Une fois que c'est fait, le travail est bon en fait. On va republier tout ça. Peut-être qu'il n'a pas pris en compte parce qu'on n'a pas republié. Donc je retourne dessus. On peut c'est aussi RAM comme. Alors, tête, tête. Bon, lui, il veut rien savoir. Il veut vraiment rien savoir. On recommence. On recommence. Ok. Ok, bon, ça se plante. Il va falloir que on recommence encore. Une dernière fois. Enfin, il en a mis du temps. Purée, c'est pas vrai. Il en a mis du temps. On enregistre tout ça. Ok, republier. On va le modifier nos pages. Sinon, il va avoir des doublons de bannières, ce qu'on ne veut pas avoir. Donc, une fois sur la page, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça s'ouvre. On attend que ça s'ouvre. Mouline, 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 mouline. Quand tu veux, hein, tu me donnes la main. Donc, du coup, ça, on veut pas que ça existe parce qu'on l'a mis en entête générale. Ok, donc on y va. On va supprimer ça. On le supprime. Oui, on veut que ça soit supprimé. Alors, celle-là aussi, tac, supprimer. Alors, supprimez-moi tout ça. Ok, on descend tout en bas. Je supprime tout ça. Hop. On enregistre tout ça. On enregistre. Et c'est bon, c'est nickel. Donc là, si on regarde notre site, à quoi ça ressemble? Je vais fermer ça. Quitter. À quoi ça ressemble notre site du coup? Allez. Ok, voilà notre site. Voilà notre site. On n'a pas mis d'effet dessus, mais il y a de quoi faire. D'accord? Descend, 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 descend. Je trouve que la boîte là, elle est un peu trop carrée en fait. On peut la rendre un peu plus rectangulaire. Mais bon, c'est à vous de voir. Et voilà le travail. Super, non? Et si on compare avec le design original, mis à part le fait que on n'a pas mis du noir et blanc, etc., je pense que c'est plutôt un travail bien accompli. D'accord? Ok. Laissez vos commentaires, vos remarques, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc abonnez-vous également à cette chaîne YouTube, hein, à notre chaîne YouTube. Et si surtout vous n'avez pas encore, vous ne vous êtes pas encore enregistré, ou plutôt vous n'êtes pas encore sur notre plateforme de formation gratuite, hein, je vous invite à vous inscrire, à le faire, parce que vous pourrez télécharger gratuitement ce modèle-là que nous venons de créer et le modifier à votre guise, hein, pour développer
votre business, hein, si vous le souhaitez. Ceci dit, on se retrouve dans un prochain cours, hein, pour une autre création de site web. Ciao, ciao!